Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Moi je vais. J'ai envie de faire un bateau, un port, avec une barque, un bateau, en premier plan, et mettre. Travailler sur les reflets. La lumière qui se reflète du ciel sur l'eau. Voilà, un truc de ce genre. Alors, quelle taille le bateau, je sais pas. Un genre de bateau de pêche, peut-être. Avec une cabine. Il y a toujours des antennes. On fait un gouvernail, je sais pas. J'aime bien les bateaux, mais je sais pas comment c'est foutu. On va le faire, il est peut-être un peu trop gros, je sais pas. Des reflets, on va faire des arbres ou des bâtiments et puis quelques autres bateaux là. Bon, on va voir. Bon, voilà, il est bien seul le bateau. Voilà, on va faire avec. Bon. Bon, il fait beau. On dit qu'il fait beau. J'utilise mes aquarelles japonaises ou chinoises. Je sais pas trop. Ça, c'est un peu foncé. Sont déjà puissantes, c'est ça, c'est un bleu aussi, plus clair, plus lumineux. Faire un peu de végétation derrière, il y a longtemps j'en avais pas fait. Un vert foncé avec le bleu foncé. Quelques reflets dans l'eau. Bon. Je vais foncer un peu plus bas.
On va faire, laisser comme ça pour l'instant. Bon, il y a eu un temps de repos, ça a séché. On va continuer. Je vais prendre cette brosse biseautée que j'aime bien. En plus, la tranche est fine. On peut faire des traits, des horizontales, des verticales. Bon, on continue. Un peu de gris de peine. Mélange un peu avec du bleu foncé. Je vais charger un peu plus. Le papier a une drôle de réaction. Là. Bizarre. Et là, j'avais fait le bateau. J'ai essayé de le conserver. On va plus faire de plutôt faire des arbres, je ne sais pas, ou des bâtiments peut-être. Il réagit bizarrement le papier. Ouais, c'est curieux. Un peu sur le foncé des ombres là, c'est toujours plus foncé en bas le ciel. Vous remarquerez quand vous regarderez les reflets du ciel dans l'eau, en général c'est plus foncé. Je vais changer de pinceau.
peut-être que je vais prendre et mince, un pinceau plat. Pas celui-là. Celui-là, non. Et je vais prendre celui-là. Ça, c'est un pinceau double aussi. Un pinceau plat, puis un pinceau. Pinceau éventail de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais travailler sur la couleur du bateau là. Je vais plutôt prendre du couleur rouge. Là, j'ai utilisé les trois rouges que j'ai. Je vais travailler un peu sur cette lampe, me gêne toujours. On fait venir la lumière de derrière. Gris de peine avec du bleu. Je vais travailler le fond. Garder la cabine blanche pour avoir contraste. Je cherche un pinceau filé. Ah, c'est ce que je cherchais. Vous voyez? Ce
le numéro 6. Filet. Bon. Je vais le faire attacher à un autre. Je parle pas beaucoup parce que je suis concentré, je réfléchis en même temps. Mais comme je suis un garçon, les garçons ça a du mal à faire deux choses en même temps. Je trouve que c'est un exploit de faire des vidéos en parlant. De ma part, j'essaie de retirer. Mais tout est mouillé. Je peux pas poser ma main dessus. Bon, voilà la deuxième pierre, c'est fini là. La troisième, je ne sais pas, on va voir. Elle est finie, mais je continue quand même. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est bien connu. Je vais faire des reflets là, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont des reflets. Je laisse comme ça pour l'instant. On va laisser sécher et on reprendra après. Bon, j'ai laissé sécher un moment. Il fait encore un peu humide. Non, c'est bon. Bon, on a des choses à faire encore. Qu'est-ce que je vais faire? Pas trop employer le gris de peine pure comme ça. Je vais le casser avec du bleu là.
peu plus, je vais essayer de faire des. D'autres formes ici. D'autres bateaux, bien sûr. On va lui donner un nom peut-être à ce bateau. Si j'avais un bateau, je l'appellerais comme ça. Moi, je vais l'écrire avec autre chose, plus petit. Devrait aller mieux. Non, il est trop gros celui aussi. Je vais essayer avec celui-là. J'aime bien. C'est un joli rouge pour l'instant, mais c'est jamais très très net comme la couleur des taches, des coups. Alors je vais essayer de l'abîmer un peu.
C'est mon éclairage qui me pose problème. Il va falloir que je trouve une solution. Quelques accents d'ombre, ça donne plus de réalisme, mais de contraste. Essayer de gratter un peu avec quoi, avec quoi, avec quoi, avec quoi, avec quoi, avec ça peut-être retirer des blancs. Ou être des personnages ou des. Des ombres. C'est pas trop. C'est un Y, c'est pas. YH, WH. Que celui qui a des oreilles entende. Moi, je vais faire un petit bonhomme. Le proprio, peut-être. Ou alors la femme de ménage, je ne sais pas. Je vais attendre que ça. Je vais attendre que ça sèche. Je ferai des. Surtout des rouleaux de. De blanc, surtout. Et j'arrête là. Quelque chose qui me gêne un peu là. J'aimerais que ça soit foncé et clair comme ça. Alors je vais, mais je ferai ça après. Donc je vais laisser sécher, je reprendrai après. Bon, il y a des petits trucs qui me gênent. Je vais essayer de corriger. Là, il manque une courbe un petit peu là. Je pourrais faire comme ça. Ils ont des bordures comme ça, les bateaux. Alors, je vais faire une bordure. Les trous là. Je vais modifier.
avec un chiffon propre. Je vais faire quelques retraits de blanc. Voilà, il y a un peu trop. Je vais y revenir, je vais corriger après. Je vais faire des éclats de lumière si je peux. Déjà rien que en posant une goutte, ça devrait nettoyer. Voyons voir. Et là, c'est sans frotter. Donc, si on frotte un peu. Je fais des retours de blanc, mais il y a toujours des éclats de lumière. Bon, après, il y a la gouache blanche que je vais me servir aussi. Là, il y a le câble. Enfin, le cordage plutôt. Je vais faire un monsieur, le patron du bateau. On va lui faire une barbe. Une belle barbe. Puis on va lui faire une casquette. Bon, c'est un chapeau de marin. Oui, il attend. Il nous regarde. Il demande ce qu'on fait, ce qu'on décide. Il est patient.
L'espèce de rose là dans le panneau, j'aime pas trop. Je vais le noircir un peu. Je referai le nom après. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ouais, voilà. Je vais ajouter un peu de quelques lumières. Ah oui, je voulais faire ici, là, je vous l'avais dit. Assombrir un peu. De façon à avoir un dégradé un peu. Je vais prendre un grand pinceau. Enfin, un grand pinceau. Si je le retrouve. Pas celui-là, je ne vois plus, mais on a celui-là. Et avec du bleu que je me suis du plus foncé, là, je me suis servi déjà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus mal? Faire et défaire. Je vais faire un retrait de blanc. Ça me plaît un peu mieux. Bon, je vais prendre le bout blanc. Du plat, du plat, du plat. Prendre un petit pinceau. Je vais prendre. Comme j'ai pas de blanc, là. La lumière, c'est la vie. Un peu de lumière sur le cordage, on va éclairer un peu.
Mais il y aurait une espèce de quai là. Il y a des personnages. Ils viennent d'arriver. Ils veulent prendre le bateau. Enfin, certains. C'est gratuit. Bon, faut pas. Pas se priver. Est-ce que les mouettes sont acceptées sur le bateau? Pourquoi pas? On va en faire une. Je sais pas trop comment elles sont. Mais c'est un oiseau toujours. Il y a beaucoup d'eau. Prendre du blanc, je prends de la couleur, comme ça va sécher un peu. Les couleurs sont beaucoup plus puissantes que les autres. Ces espèces d'antennes. Je vais reprendre un peu les lettres. C'est important. Y, H, W. Il est toujours temps de prendre le bateau. Pour l'instant, il est arrimé. Mais jusqu'à quand?
Bon, je crois que c'est pas mal. Bon, je crois que je vais laisser comme ça. Parce qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Bon, je m'arrête. Je vais signer avec le... Avec quoi? Avec ça? Avec le pinceau. Il est un peu gros peut-être. Je vais essayer un autre pinceau. Un pinceau plus fin. À gauche, ça sera bien. Pas fait d'oiseau dans le ciel. Là, toujours. Mais ça suffit. Allez hop. Donc je laisse comme ça. Ah, encore un petit. C'est dur de s'arrêter. Oui, ça suffit.